Congolais Panda. Oh, Congolais Panda. Congolais Panda. Azuli kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo. Congo Lipanda. Asalili bango Congo Lipanda. Kaninga pona kuyeba histoire ya Congo. Landa Congo Lipanda. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs de la radio de le message de Vimbo Temingi Payab Bozoami, à travers chaîne Nabiso Congo Lipanda, te pesi mbote na producteur monene Jimmy Adjoki, ou à personne dans la depuis Paris, te pesi mbote na merveille ou à yé la minute parce que te wana yé la photo par les messieurs et messieurs en vrai bandit, te yambi mon amboka de l'or le chico à Zadina Ngambo et Nojek. Tu as mis mon amour comme à gloire la politique, les lois Makambo et Tali, adoption de la loi électorale dans l'Assemblée nationale, tu as mis mon amour, la marche, opposition, on va projeter les sous-19, la ville province à Kinshasa et puis les États-Unis, surtout la République démocratique du Congo, pendant 35 minutes, on va inviter la vie sur le Togo, par rapport à l'émission de l'Ogéra, le Chikombo, tu as Bango on a des invités, tu as mis la poco à l'élo, numéro 0829-0060-149. Mon amour, c'est l'élo le chikou. Adoption de la loi électorale et salami dans l'Assemblée nationale. Point de vue, d'abord, étant que politologue et puis acteur politique, n'a qu'à dire encore une fois, merci pour l'invitation à l'élo de Rovili. N'a qu'à l'ici, loi électorale, l'Oana et n'a autre béni réforme et espace politique. Parce qu'on avait constaté que. Na niveau il y a politique en Congo Nabiso et ça là qui a multiplicité à parti politique voilà multiplicité à parti politique voilà ils ont permettre pour identifier qui est vrai acteur politique c'est-à-dire bah où le peuple est identifié à la confiance au niveau vote tout et c'est-à-dire pour la candidat n'ayez voilà la CENI appartenant au gouvernement va comprendre qu'il fallait réellement apporter des réformes. Et parmi ces réformes, bah, PCIC, c'est sur 3% des lignes qui prévues, bah, tiens, on a 1% pour la députation nationale et 3% pour la députation provinciale. Je pense que la loi est malade pour la ligne. Elles ont permettre de identifier ma force, il y a malade, c'est-à-dire le vrai représentant du peuple. C'est anormal lorsque vous êtes dans une circonscription, Moninga a obtenu 18 000 voix. A Olekate, pourquoi? Parce que tout ça, le système est proportionnel. Moussousou, il y a 1000 voix ou 1200 voix à demi député. Et tant que je suis en congé, au babé qui va congé dans le bango, au basalan, il y a député. Au moins, honorable, il y a un moyen qui t'attend à Thérèse, à dépôt, à ébanité. C'est pour ça que vous voyez les députés qui sont là au Parlement, ils ne font rien. À Tigre, aux Andames, Malobaté, qui sont pour lié, qui sont contre lié, qui s'attendent carré. Pourquoi? Parce que. On ne l'identifie pas. Il n'a pas été voté. Le peuple ne le reconnaît pas. Soit qu'il même dans l'avenir, il va dire, mais il y a des députés. Pourquoi? Parce que c'est les proportionnels ont décrit le monde. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité d'identifier le vrai électeur. C'est-à-dire, la liste est Oyo, liste de majorité, voilà le bateau va représenter qui sont Bamoué. Le ton dans la puissance opposition, oui, c'est vrai, c'est normal, le contre-pouvoir doit exister. Mais il faut être réaliste. Moi, j'ai toujours dit, loi, on a des avantages pour la banlieue de la puissance opposition. Il suffit d'avoir un programme cohérent, il suffit d'avoir une vision d'ensemble. Donc, loi, il suffit que l'opposition se réunisse, créer une dynamique morale d'ensemble, partager un programme de société commun. Kokita na niveau ya peuple. C'est vrai que la campagne électorale n'a pas commencé. Mais c'est vrai qu'il faut réorienter les débats vers le peuple. Dire voilà, nous avons un nouveau programme, voilà ce que nous allons apporter. Voilà nos candidats députés qui se préparent. Et là, voilà les discours qu'il faudrait apporter. Que dit notre Salama Marche, nous sommes contre cette loi, mobiliser les gens contre des villes mortes, ça retarde les pays. Nous sommes en plein processus électoral. Bisso et l'eau, la Bisso et Zanini, Kokede Limousso. La c'est un Seigneur qui a calendrier électoral. Alors, il y a des contraintes.
Et parmi ces contraintes, il a parlé des contraintes pour l'Italie CENI, par contraintes pour l'Italie gouvernement, par contraintes pour l'Italie bataille politique. Et parmi les contraintes d'Italie CENI dans le gouvernement, il y a une publication électorale. Voilà la loi électorale qui est proposée. Cette loi électorale, je l'ai dit dans mon article, avant CENI de publier la loi électorale, et Sengeli Asala, on a proposé un article dans Mesa, le door to door. Le door to door veut dire le porte à porte. Allez d'abord expliquer aux politiciens, voilà ce que nous comptons proposer. Voilà la machine de vote que nous avons. Il y a mon temps qui a un bus au on a expérimenté cette machine. Et on nous dit que cette machine, ce n'est pas le vote électronique de ma personne, mais non, c'est un vote semi-électronique. C'est-à-dire, au yé, au poli candidat, au fini, et imprimer un bureau. Très avantageux sur le plan processus électoral. Très avantageux. Ça nous permet d'avoir les résultats les mêmes jours. Très bien. Moi, je suis en train de faire la note, et puis on va parler de l'électoral de l'Assemblée nationale, les alliés madame Mingi, venons en membre de l'opposition, pour que toujours dans la région à région. Point de vue d'abord, il y a IMD, et puis point de vue dans la Bino, partenaire politique, j'aime vous le dans la place politique. Mais tout le monde a une vérité, en tout cas, les athées le roi, la Seigneur Lilala, qui est au Lilala au Pola. Ce qui est un boy, à quoi vous m'avez dit, il y a un boy à la caca. Mais Pessan Lilala, madame. Pour la ministre, c'est un peu ça, il y a un peu ça, il y a un peu ça, il y a un peu ça. Il y a des amis normaux. Pourquoi il y a avec le code sans barrière et poli après jouer la mission. Quand vous nous parlez de la loi électorale, il y a peut-être ceux qui ne voulons pas en face si à maîtriser Benza et le voilà, madame. Mais cette loi est dangereuse pour la République. Souvenez-vous, tant que Bandeko, il y a ma papa la mission Bandeko comme on a pour la démocratie, le marchand Mobutu a comment il attend mon rôle à le vainqueur, toujours instauré ne serait-ce qu'à trois partis politiques, c'est-à-dire l'Imper, je crois que les sangs à Kengo travaillent comme ce soir. Mais, Batouana, même ce qui m'a dit, tous eux luttent pour tout le monde, l'espace politique pour tout le monde, le pluralisme politique, la liberté de créer un parti politique. Et c'est bien dit clairement. Et ça, pour te l'autre, tu vois, quand tu as en construction, en article 6, tout Congolais a le droit de créer un parti politique. Il faut que les gens aient le suffrage X et Y pour qu'ils créent un parti politique. Non, ceux qui se sentent capables de faire la partie politique, il faut ça. Mais qu'est-ce que vous dites des partis? Par exemple, cette chose, il y a des partis qui n'ont qu'à peine 2 ans. Ils ont un seul ancrage sur le plan national et ils ont un IDPS. Ça n'a pas de sens. IDPS était à 37 ans de liste. Ils ont terre pour planter parti d'avant. Mais Bateau m'a dit que c'est parti d'avant à 2 ans. Mais partir à raison, mais quand même, moi, discours petit à petit, et je sais que ça va. L'État va s'installer dans la 4e République. Donc, pour 4 à Bango, bas dans la droite, juste parce que bas dans la 2 ans. Mais c'est injuste quand même. C'est quand même injuste, on est où là? Aux hommes, on en est où? Pas, mais il y a ce qui est et l'obini. On a mon nom, tout ça, on se comprend, madame. C'est l'obini. Naï Mabloa là, candidat dans la 4e Founa. Ceux qui dans Founa, n'a eu 100 000 voix, n'a eu 90 000 voix. Mais la partie de la UNC, tout ce qui est 3%, il y a votanté sur ce qui concerne le niveau national. D'abord, il y a une irrégularité dans la carte de quoi. Je suis. Régularité dans la carte électorale. Irrégularité, ça va être ma solution. Je suis candidat pour une circonscription et on m'évalue par rapport à la République. Bonjour, dans un candidat par rapport à Founa, district Founa, mais ce serait comme évaluation pour que dans un député, parce que évaluera par rapport à la République Mobimba. Au moins une place, il a inéquitable, inéquité place et côté. Transparence, ils ont la carte de Macamolade. Qui va nous gérer les 3%? Donc, il y a juste 90 000 voix à la Founa, il va voir le candidat. 90 000 fois la Founa, mais quand on est sous un parti politique, on va faire de la Bongandanga, on va faire de la Walung, on va faire de la Tika Moussou, tu commets la 2, parce que le loi non est ici collégaté, il faut les gars sous la Sénat, pour l'instant, tout ça, on a 3%. Tu commets la 2,8%, même tu n'as pas 90 000 voix la Founa, la Tikali, la L'Équité, Moutou a joué 900 voix, donc on est 1/10 dans l'Aïe, le coup de la parti politique n'a yé, dans l'ensemble de la République, va atteindre 3% à suffrage à ma votant. Ma population n'est pas Congo, il y a qui vont voter. Ne voilà 900 voix, on t'a se retrouvé candidat. Vous savez ce qui va se passer? Bah, la Founa, il va voter qui m'a voulu avoir. Bien que dans un candidat. Mais il va voter qui m'a eu. Espoir, on a bon, ils avaient 4 candidats. Bah, qui m'a voté qui m'a voté qui m'a débat là-bas.
Yamatongue, par exemple, la suite Djolou, na Ikeleba. Bah, vous avez un débat là-bas, là, voilà. Il y a même tout, à une place dans la FNA. Parce que le parti politique, là, et ça dit, bah, résultat, il y a un malam. Vous savez comment on a, et l'autre modèle, là, et ça, là, na FNA. Et ça, là, na Mayombe. Et ça, là, na Kanama, na Lomami. Et ça, là, na Maniema. Vous ne voyez pas que nous créons des poches de tension? Parce que les électeurs ne vont pas se retrouver par rapport aux élus, au cas où, bah, parti n'a pas le droit de faire pour ça. Négocier le service aux semis électroniques. Nous sommes en tout cas, nous sommes là. Mais aujourd'hui, l'opposition, nous avons une opposition, beaucoup de quelqu'un a régé, a régé. Beaucoup de monde a dit, beaucoup de monde a porté dans le référendum, tout le monde a dit, beaucoup de gens ne sont pas en amicime. Néco, pour la ville, on peut se rater où ils sont. Tout ça en plein échauffement et match. Donc, bis et côte. Je vais jouer à ma côte. Là, je vais te dire, bah, les Congolais, la plupart des gens, ils sont là. Bis et côte, tout le monde a un canal plus. Donc, écoute, et puis, pour moi, le commissaire de match, il y a un arbitre, je vais aussi prendre ma casa, par exemple. Mais je dis non, non, ben, des cochers, frères, joueurs, dorénavant, Orger et Lomoué. Dès que ça va dans le côté de la match, Orger est insulté, gardez pas mal de la Malamakolo. Est-ce que vous trouvez des histoires comme ça, le bon sens? Le bon sens n'existe pas ici. Pourquoi, à la veille des élections, on a toujours tendance à toucher aux lois électorales? En 2015, on a perdu des compatriotes. Pourquoi la majorité blague avec la vie des Congolais? Tu perds. Yo, il y a bien mon dévoyé dans la question, ça, on a perdu des compatriotes. Parce qu'on a voulu conditionner les élections à recensement. Tant que tu vois qu'ils allaient conditionner, tu vois recensement, mais tu vois qu'ils allaient conditionner l'élection, les autres ont nommé les locaux, on n'a plus recensement. Très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui ont mis le numéro 089-00-60-149, tu as mis mon amour à Galo Lichikou. Oazali Nandamou, il y a Nojek, il est politologue. Tu as mis mon amour à Magloire Lambu, Oazali Nandamou, IMT. Acteur politique dans Katia Mokanabiso, République démocratique du Congo, grand thème pour être ministre de la classe politique, d'opérer au Bougien Mokanabiso, République démocratique du Congo, c'est-à-dire loi électorale, où les gars dans l'Assemblée nationale, n'a pas quoi, à ma case, va voter loi en gros, il y a moins de copains à Bilinga Milinga, à Wana Congo et puis dans la République démocratique du Congo. Alors, logique, dans ma campagne, moi, dans mon cas, Bon, et là, on a que il ne faudrait pas personnaliser le débat. C'est vrai qu'il parle d'un candidat qui a obtenu 90 000 voix et que monsieur soit obtenu. Non, le problème est ça, il faudrait analyser d'une manière générale, c'est-à-dire liste à parti politique. Cela veut dire que nous, tous les gens, déterminer Moussa là, il y a parti dans le niveau et à terrain. C'est vrai, c'est qu'il n'y a pas de Et c'est vrai que ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est mieux comprendre. C'est-à-dire qu'il y a eu ce problème, c'est sur le plan technique. Analysant l'aspect technique, on s'est dit, si on va toujours dans le plan proportionnel, et on permet de surtout identifier le sous-acteur, pour ça c'est pour assainir l'espace politique, mais c'est pas aussi, ça ne nous permettait pas aussi de donner le vrai élu, c'est-à-dire le vrai élu, n'est-ce pas cet exemple, il y a dans le but Moutou, à 25 000 voix. Mais parce que, dans la même proportionnalité, le premier dans le groupe politique n'a pas à 35 000 voix. Hier, il y a 25 000 voix. Moi, je ne vais pas exalter. On va prendre l'autre dans la 16. Et le dernier qui est là-bas, peut-être un indépendant, on a parti mon boyé, Mini, à 1200 voix. Hier, on a encore ma députée. Mais le monsieur qui a eu 25 000 voix, il n'est pas élu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les proportionnels, c'est qu'il doit penser la manière de M. Il a fait allusion à la démocratie. On n'interdit pas aux gens de créer des partis politiques. Mais on veut des partis. Qui sont représentés, c'est-à-dire des partis où ils ont reconnu le niveau appel. Ce ne sont pas des partis malades. Vous voulez qu'on pérennise toutes ces affaires-là? Que non, parce qu'il y a la liberté de créer un parti politique, vous créez votre parti, oui. La loi n'interdit pas la création des partis politiques. Mais l'espace politique, nous devons l'assainir. Nous devons essayer d'apporter des réformes politiques. Il ne faudrait pas qu'on puisse pérenniser le libertinage parce qu'on dit non, voilà créer un parti politique, vous créez ce parti politique, nous nous retrouvons avec 20 000 candidats députés nationaux et ça crée des problèmes au niveau de répartition à ma siège. Voilà, il y a le fistré. Mais aujourd'hui, on s'est identifié dans la liste de la partie politique. On dit voilà, c'est ça la liste forte, c'est ça l'esprit forte. Et moi, je me dis peut-être que l'opposition maintenant a l'occasion, encore en majorité, au niveau du Parlement. C'est ça que l'opposition ne veut pas travailler, c'est là. L'opposition s'est dit, non, voilà, ils ont bon mot, Baninga peut perdre le roi, bah ça déjà dans la ligne, plutôt Baninga majorité, le roi, bah ça déjà dans la ligne, soit disant qu'ils ont déjà géré, tout ça, ils auront la possibilité de gagner par élection. Non, 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 non. Il faut rester dans la section du terrain. Soyez sur terrain. Quelle est aujourd'hui position du peuple? Parce que les gens vous parlent, le peuple.
Le lot va passer dans les barbiers quand on va marcher sur les 30 ans. Marche, nous sommes pas projetés les 19 ans. Non, c'est vrai, les avant distraction. Distraction. Marche, on va proposer les 30. Vision, on va dire les 29. Là, on va monter les 30, c'est différent. Les 30, on a pu s'assister à ce qu'on appelle une journée ville morte. Et journée ville morte, ils ont la conséquence dans le monde de face, sur le plan économique, sur le plan social. Voilà ce que nous vivons. Et c'est ce que l'opposition veut qu'on puisse. L'opposition aujourd'hui manque de stratégie. C'est ça, il manque de stratégie. C'est question de descendre sur derrière d'un calendrier. Il ne faudrait plus prendre ce peuple, ces jeunes, voilà. Aux autres, ça va monter dans là. Le peuple, ils n'ont pas ça, vous voyez, non, ni machine électorale, les AMAB, loi électorale. Non, expliquez au peuple c'est quoi cette loi électorale. Très bien. C'est ce que les banlieues ont mis sur le processus, c'est pas ça. Que de dire que nous sommes AMAB, nous sommes AMAB. C'est vrai, les AMAB. Mais lorsqu'on ira le 23 décembre, ils vont présenter les listes. Merci. Alors qu'ils vont s'abstenir. Vous voyez, le chiffre pour le bas marche, au milieu, au gros, au le marche pacifique, il y a deux hommes qui sont beaucoup à Sima. Il y a deux hommes qui sont beaucoup à l'élan à Kao. L'opposition aujourd'hui manque de stratégie. D'abord, avant de répondre à la Zali Awa, tout le canon peut toucher les Camerounais, il y a la liste et la partie politique. Pourquoi est-ce que ce n'est pas parce que nous considérons que la majorité est forte, qui est toujours le maquillé par le gagner l'élection, c'est parce qu'elle est forte en trichette. Ça, je vous informe. Oh, l'objet de Zagui Mabé, en 2011, il a été loité. Il a gagné l'élection de Zagui Mabé. L'élection de Zagui Mabé, il a caractérisé la trichette. Ok? Awa Toza, député national, à sa député à liste et à parti, mais à député national pour avoir un mandat à peuple. Pourquoi Tokoki, tout ça va un mandat représentatif, tout ça va un mandat de mot d'ordre, de ne pas le bonheur, mais c'est pas. Les gens ont oublié qu'ils ont été élus. Ici, je profite pour l'occasion de rendre hommage au président Vital Kamerhe. Tant qu'on a perçu à Awa, Nazan, secrétaire général et à PPRDT, Nazan est le député national. Alors, ça n'a pas le peuple. Donc, moi, je n'ai pas eu de personnification parce que le mandat est allé député national de Tajoua pour le peuple. Toujours qu'il y a une liste et une liste, c'est quoi une chose? Parce que tout Congolais a un droit et une obligation à la carte de la liste. L'assainissement de l'unité politique, ça ne dépend pas de ce genre de loi. Aujourd'hui, la politique est considérée comme un gagne-pain. On n'a pas congolais parce que vous savez comment on a facilité au bateau. Et nous vivons aujourd'hui l'escroquerie politique. L'escroquerie politique, parce que comment on a facilité la ma majorité au bateau de corruption de l'échec par les jeunes. Parce que vous savez ici. L'objet avec les gens qui sont dans la majorité présidentielle. Je ne remarque pas. L'objet avec qui l'objet avec qui a fait ma colo. Car l'objet avec ma montant ma côté, ma immeuble, ma voiture à des luxes. Parce que Congolais à vivre 10 ans mon coin à faire. La politique est réelle pour faire en sorte que. Tout qui ça te la pauvreté. Majorité, bilan majorité potentiel. Négatif. Il y a moi dans mon lit. Celui qui a bilan car la majorité congolais attend mon côté. J'ai lancé l'opération 0% pour la majorité. Merci. Pardon, mais quoi? Et au moment que pour la banque, tout ça, il fallait qu'un bilan a arrangé le mot canal. Pour que l'agriculteur batte à l'agriculteur. Pour que tout va technicien, électronique, à bon sa TV, à la robot sa TV. Aujourd'hui, tout le monde a l'illusion de la politique parce que on a facilement comment les gens s'arrêter. Ça c'est de un. De deux, tant que vous avez connu ça sur machine. À voter. Machine à voter. Tout ça la solution. Vote, semer les trucs. On a revu qu'il n'a pas eu le monde à dire qu'on en a face. En tout cas, bon monde aussi. Les gens diminuent pour le monde. Bon monde aussi. Moi j'expérimente cette machine. Bon monde aussi, venez en face. Il a alimenté cette machine. Tant bien. Il lance son nom, c'est en face. Il a donc l'ingé, ça va là. Et du coup, il y a la naïveté. Il y a quoi? Il y a Ndeko Kabila. Vous pensez vraiment que le chef de l'État Kabila en place maintenant là, en perte de vitesse. Parce que peuple a l'ingé, il est souhaité. Peuple a l'ingé, sous majorité d'été. Vous pensez vraiment qu'avec ça, ma stratégie, on a mis en pour que l'opposition ait pour prendre le pouvoir. C'est mis électronique, c'est mis machine. Tout ça va s'émier. Tout ce qu'on va s'émier mariage, c'est mis passeport, c'est mis biométrique, c'est mis électronique, papa. Élection, donc comme il faut finir par apprendre. On se comprend. Et comme il faut finir par apprendre. Des avantages que les avantages. Des avantages, combien de Konangas allaient ben, expérimentant devant les élus du peuple. Machine, ils ont catastrophé. Et les machines vont faire une catastrophe. Non, je ne vais même plus parler de ça. Mais pas les élus du peuple. Bah, expérimentant en Assemblée nationale. La machine est calée, est bloquée. Bah, quand on a le Sénat, je t'informe encore que le Sénat est bloqué. Mais si on a la machine, on a un qui est bloqué au fin fond de la République. À Calémie, prenons par exemple à 100 km de Calais.
si technicien a le roi Kalimi a combattu la vote là en un seul jour, Batouane se basera pour voter par ce quoi. Et puis une machine dans un pays où nous avons près de 12, près de 88% de Congolais Bayibata, hein, en prêt digital, téléphone digital. Bon, c'est là, bah, les gens sont là, maman est grand. Vous comprenez? Et quand moi, même, et puis comme la bilongue, ça c'est de mon tour à ça va voter. Parce que mon tour à ça va voter, à Yébi, et ça va secret. Il y a un butin de vote, na yonanaï. Mais c'est quoi ton comme ça, c'est la vérité, dis la vérité. Ton rosala, on a. Comme ça, c'était comme ça, c'est la vérité, dis la vérité. Non, non, c'est la procédure. Ton rosala, on a. Là, mon tout le monde, à Télémiona, ou à un technicien, parce que ça a l'expérience à Mbosso. Faut voir l'accent au bateau. Maman, la soirée, n'a rien à voter, n'est comme Billy Capes. Faut technicien attendre c'est là parce que maman non a téléphone comme n'a attendre ça t'as n'importe bah attendre c'est là maman il déconne il b capé ça ka ah capé ça y est maman voté au second maman paye a fini a su butin aille au second et pourtant on nous dit fuir le coup sur les papiers le coup des imprimés mais dans quand il y a machine à voter là butin qui mis papier combien coûte une machine à voter. On a près de 100 000 bureaux de vote au Congo. Il y aura deux machines à chaque bureau de vote. Combien ça va nous coûter? Les transports, la passation des marchés à Bakamoala. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va vraiment fuir les coûts sur les papiers? Non, c'est faux. Négocier toutes ces machines à Bakamoala. Même si c'est vrai, on est dans la guerre. Très bien. Vous pouvez répondre. Et l'autre, Bani, par rapport à la machine, c'est d'abord l'expertise qu'on veut. Ça c'est normal. Nous sommes basés à niveau état-major général à parti politique ou bien à mouvement politique. Et ça, c'est technique basé à ça. Modèle ni les machines ont fonctionné. C'est vrai, il dit qu'à l'Assemblée nationale, il parlait des machines et de l'Ukraine. Il parlait des notamment non, j'en ai eu tout. Ah, merci. Parce que dans cette salle, il faut garantir. Mais on a quand même tout le monde la machine et blocage. Ah oui, ce sont des aspects techniques. La CENI n'a pas encore commandé les lots appropriés. C'est juste qu'on va montrer dans la bataille politique. Et lorsqu'ils vont accepter cela, voilà, on va commander maintenant les machines parce que. Et au salaire, les bandes de ça, les marawakés. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Papier, et aux ongles, là, non. Tout ça, là, qui en a 2011, hein. On a voté le 11, non, c'était le 11 novembre 2011, je pense. Tant que vous avez tout ça avec l'élection à Bissau. Quand est-ce que nous avons eu les résultats? Et ces résultats, tous les Afrikaners, tous les hommes, les résultats, ils sont ces opposants. Mais les résultats, ils sont dans Zéla, ils sont commentés. Il y a eu des députés qui ont créé des problèmes. Ou parfois, dans la zone de bureau, on a une CNI publiée, ça a causé des problèmes. Et cela a même remis en cause la position électorale. C'est ainsi que vous êtes arrivé même au concept qu'on a appelé président légal, président légitime, tout ça. Et vous voulez que cette situation-là se pérennise? Non. Actuellement, la CNI aussi a pensé cela. Il s'est dit non, voilà, il faut rationaliser les choses. Qu'est-ce qu'on apporte? On apporte du nouveau. Parce que c'est la technique. Et la CNI, Zara, c'est pas seulement politique, mais c'est aussi technique. Et la technicité, ça prend. Et on a eu Sarabatou. Qu'on ait Namazam Moutou Oyo, à Kenda Oye pour la maramba élection. Il a fait plus de 10 ans dans la maramba élection qu'on ait Namazam. Et la chance, c'est ça qu'il apprend aussi aux autres. C'est vrai que ça a généralisé. Mais j'espère qu'il y avait Manu et Mouibouda. Non, là je ne peux pas le dire, mais je vous dis qu'on est là à étudier les élections. C'est-à-dire qu'il a appris, il a l'expérience et l'expertise appropriée pour la Maramba élection. Vous êtes pour ça? Non, vous êtes pour fiable, ça. Parce que nous, on continue avec l'invité, parce que nous répondons. Nous avons invité qu'on est là à la matinée politique et Belé, il s'était présent. La Nochèque a confiance à l'époque, qu'on est là, on n'était même pas président Yasséni. Il était juste secrétaire exécutif adjoint à CENI et il avait présenté, il s'était présenté devant une matinée politique qu'on l'avait invité et il nous avait présenté comment la CENI fonctionne sur le plan technique. Et il s'était présenté. C'est là que j'ai su que ça a 10 ans de formation et c'est sûr. Azabou Touni, président à CENI, il était juste secrétaire exécutif. On a manqué à une machine électorale, voilà. Machine de vote, tout ça. Non, CENI, ceci, maman, non. Tu as fait ton choix, c'est-à-dire candidat à un numéro tel. Tant au voté d'un candidat na yo, bulletin au ministère, esa nini choix au yo sali, choix au sali wana ogumbi yango beko tia wana isoloa, sali choix wana na au sali na machine na réinstallation ya machine, c'est la même chose. Mais le problème c'est quoi? Et l'autre c'est que tu savais pas niger sali, travailler avec les témoins. Ce sont les témoins qui vont se demander à l'opposition. Oui.
avec les témoins. Ce sont les témoins qui vont certifier le résultat du bureau de vote. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de témoins dans le bureau, le résultat est obligé. Ça pose toujours pour non, on n'a pas touché. Non, non, non. Que les témoins travaillent. Et c'est ça ce que je demande à l'opposition. C'est en ce moment où il faut passer par la partie politique, par des formations, et vous allez dans un chargé d'idéologie. C'est maintenant qu'il faut former. Que former les gens à nous de travailler par Coca et Molotov. Que former les gens à aller marcher. Nous allons commencer par tel itinéraire. Tout Tumbabo et tout ça. Non, 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 ce ne sont pas. Ça n'avance pas le pays. Oui. Former les gens, dites aux gens, voilà ce qu'il faut faire dans nos élections. Voilà comment se comporter. Voilà comment gagner les élections. Comment rationaliser notre liste. Notre liste n'a plus à gagner l'élection. Vous dites non, est-ce qu'il y a une saison travaillée pour la partie Missus? Non. C'est la politique. La politique, ce n'est pas, qu'est-ce qu'on dit, un cadeau. On ne se fait pas des cadeaux en politique. L'INC n'a pas de soucis, les lois ont une majorité dans l'élection pour eux. C'est faux, ils vont travailler seuls, ils vont faire leur gouvernement eux-mêmes. Ils ne disent pas qu'ils vont travailler d'autres. C'est à eux de mettre en place leur stratégie politique. N'est-ce pas gagner l'élection. On ne tient pas compte des autres. C'est-à-dire même le PPRD, il n'a pas eu à avoir la majorité dans le cadre il y a un Parlement. Pourquoi? Parce que la politique, c'est comme ça. Et les dynamiques, c'est-à-dire, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. On ne vient pas en politique pour dire voilà, non, amen, alléluia, amen. Non, non, non. Travaillez de votre côté, formez des gens, bah, qui t'en intéresse, bah, se préparer pour l'élection. Dans une année, c'est pas loin. Préparez déjà l'avant procès électoral. Que vous avez pour le mandat, ça n'a pas marché. Tout bon, il y a loi électorale, tout bon. Même si vous refusez cette loi-là, c'est pas à nous, à terre politique, de proposer des lois. C'est la CENI, le gouvernement, en partenariat. Là, on m'a proposé un peu. Et ça, opposable à tous. Merci. Que nous ne voulons pas. Merci, Bélo. Je vais vous donner une réaction, papa. Oui. D'abord, je n'ai pas dit que ici, que l'UNC, ils ont ça pour la partie politique. Non, oui, oui, la lobby, oui. La lobby UNC, ils ont travaillé pour la Congo Lipanda. Oh, Congo Lipanda. Azuli kanisi ya malamu pona kosepelisa banambuka Kongo. Kongo Lipanda. Asalili bango Kongo Lipanda ninga pona kuyeba historia Kongo landa Kongo Lipanda.